Ndekonabino qui porte le même nom que vous, pourquoi avoir combattu Joseph Kabila? Oui, moi je suis un politicien, mais par hasard. Ok. Par hasard. Cela veut dire que l'air dans la Monica, le pays n'a été dirigé par un tout surandé qui a tué son père nourricier, Laurent Désiré Kabila. Je me dis non. Congo vous a jamais dirigé par un tout surandé. Son père nourricier. Voilà ce que je dis. Si vous voulez, je vais m'expliquer. Allez-y. Nalobi Congo vous a jamais dirigé par ce type ici. Batou nous avons vendu mais pourquoi? J'ai commencé par ma conférence de presse que j'avais tenue ici à Kinshasa le 15 janvier de l'an 2002, au siège de la Voix des Sans-Voix pour le droit d'homme, Chevrolet Chebeya. Chebeya. Voilà. Mm-hmm. Avant la conférence de presse, on a dit qu'il faut expliquer Bango, il faut Nalo Baboué. Frère Chebeya, non, ils doivent vérifier. Bapopo Nanga, est-ce que ça s'avère vrai? Quand j'ai dit ce n'est pas le fils de mon père, quand j'ai dit c'est un Rwandais, quand je leur dis que je suis le fils de l'autre. Parce que ça l'appelle ADN, c'est ça aussi le problème. Quand ils ont vu que c'est vrai, non, ça fait presque une année, est-ce que tu peux tenir une conférence de presse? J'ai dit oui. C'est alors que j'avais fait cette conférence de presse-là. Vous comprenez? C'était un combat parce qu'un étranger ne veut pas diriger notre pays. J'ai cherché la vérité de l'assassinat sur l'assassinat de mon père. Vous comprenez? Après que les médias en aient fait écho, j'ai fait l'objet de menaces de mort de chasse à l'homme. Kinshasa, avec la poussée de Forbes Chevé, entre autres, Nabima, Nakenga, Brazzaville, de Brazza, jusqu'à gagner l'Afrique du Sud. Et j'ai continué à mener ce combat contre Joseph. Ce qui a l'objet de la Kokosa, pourquoi il y a un autre émissaire qu'on a tout négocié? Pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas d'évidence. Mais il y a une personne qui est venue, à Koutan Nosala, interview, Frédéric Tshitenge, c'était Francis Kalombo. Simon, balancez-moi l'image Joana, Francis Kalombo na Kitenge. Vous comprenez? Ayez qu'on négocie nanga pour faire la paix contre avec Joseph. Alors non, on a payé 2 millions de dollars, on a payé 5 millions de dollars pourvu que l'obake les politiciens nous divisent mais tous à bandeko. Pendant que moi je connais qu'il n'est pas le fils de mon père. Il a son père Christopher Kanambe. J'ai rencontré son frère ici aîné il y a 2 semaines. Je l'ai rencontré Kanapé Konga. Qui est le frère de Kabila. Le frère aîné de Joseph. Il a refusé de porter le nom de Kabila. Après la mort de Laurent, il disait à son jeune frère, il disait, mon frère, « Ma Kamboya pouvoir aux côtés, on a combattu Kabila. » Et qu'aussi là, un jour, « Tokosuka wapi, ti Kabila kwa, Joseph a kangé plus d'une fois. »« À ça, là, va prison, ça, va prison, tina goma, ça, va prison. » Je vous ai dit, je l'ai vu ici. Il y a 2 semaines, je l'ai vu. Nazo et Psaïe, que Kobangate, ça l'a extrêmement comme la vérité. Zélande de Koïtienne. Population a eu éclaircissement, madame Mouté. Motouna Nanga Isaïa Koyebaboué. Vous avez rencontré pour la première fois Joseph Kabila. Vous aviez quel âge et lui avec quel âge? Non, moi je l'ai rencontré, Joseph. Moi j'ai rencontré Joseph ici à Kinshasa. Pendant que Kabila a vécu dans la même maison que Kabila à Mouzé, pendant que Joseph a vécu avec Mouzé. C'est une longue histoire. Vous savez, Joseph a son père. Okay. Christopher Kame, qui était un rebelle, il s'est battu contre Habyarimana. Je venais à Habyarimana, le président rwandais. Batou si Balongwa, parce que le pouvoir est dans Bahutu. Batou si Balongwa, qui est à l'est à Congo. Bakoutan va soumis à l'eau, Bakoutan va Laurent Désiré Kabila, va faire l'alliance à Bango. Vous comprenez? Les mots qui sont à Guerte, Bazoumi à Tanzanie. Christopher Kanambe était corrompu par le pouvoir de Kinshasa, M. Mobutu, pour imposer Laurent Désiré Kabila. Je me répète encore le Bango plus d'une fois. Alors, Laurent Désiré Kabila, qui est information, va dire qu'il va empoisonner par Christopher Kanambe. Il y a aussi Bango. Alors, tous ont un Congo, on a un sponsor. Tous ont un Congo, tout le monde est sous guerre. Les bas ont un Congo, assez justice militaire. Ne pas Christopher Kanambe, papa, Joseph Fouanon, ça, ni ni, à Boma Bango. Laurent Désiré Kabila, Boma Bango. Ok. Vous comprenez? Après, l'ère de Laurent Désiré Kabila, Zong en Congo, après la guerre de Moba 2, en 87. De maman Joseph Marcelin Katerebe, na Joseph Bazon. Maman Joseph, c'est maman Sifa que nous connaissons. Je vais revenir. De Balongwe wa Kena Tanzanie, Bamana Andaka Laurent Désiré Kabila. Après les Rwandais, bah, comment recruter bah, jeunes pour passer la guerre contre Habyarimana, Joseph Alongwa na Tanzanie, à Rwanda, après sa formation wapi, militaire wapi, na Uganda. On le maman Sifa, c'est la même balébele. Oh, Nazolinga, parce que je dois contredire. Nazolinga, tout un état de droit. Na zoni ngande sifa maanya aye ko porter nga plainte aloba ke tena zokosa ngane la bota Joseph azokosa ke ngana zaka na prison parce que ngana ba blo tout ce que j'ai dit est vérifiable ce que moke pas directeur à prison ou azay directeur à prison c'était qui Kelly
Kitungwa Dido avait été en prison. Alors expliquez maintenant que si Famani était en prison, quand Laurent Nzere Kabila était au pouvoir, Bakangaye pour avoir empoisonné Laurent Nzere Kabila, Kangakaye, Lingaye, ça l'a brûlé dans les médias, Bakangakaye. Joseph Mutabé Misakaye, avant l'assassinat de Laurent Nzere Kabila. Avant Mouzé Akoufa, Mouzé Azalaki empoisonné. Voilà. C'était passé, il y a tout dans les médias. Maintenant, Joseph Akena Gouzoua, si Famani est en prison, à quel moment il est à Lubumbashi? Parce qu'il savait que ceux qui. Les raisons qui ont été recouvertes, si Famani a été en prison, il Joseph. Ok. Vous comprenez? Alors que si Famani n'est pas la mère de Joseph, ceux qui ont été vous comprenez? Il a droit, état de droit en Goué, il a porté une plainte que Nakosaki, il a été Joseph. Soit il a été ça, c'est la DNA de Joseph. Aza maman Joseph était. Parce que Joseph a voté en 71, n'est-ce pas vrai? Balobé a voté en 71, ceux qui n'ont pas voté. 71. Voilà, 71. Pour nous, Belges. Hein? 71. Mais si Famani en 71, Azara, moi, c'est Laurent Nzere Kabila. Comment ça? Si Famani en 71, Azara, moi, c'est Michel Lokoma. Michel Lokoma. Collaborateur de Mouzé. Exactement. Vous comprenez? Donc, les enfants tous les enfants de Sifamania, avant 87, avant la fin de Moba, hein? Bazabana Nini, il y a Michel Lokoma. Bazabana Laurent Nzere Kabila. Il est impossible que Joseph fasse la moine à Nini, il y a Sifamania. Donc, Sifamania, si tu as dit procès, le long de Nayoki, qui dit qu'à peine de paix, il a souhaité la reprise du procès. Hein? Ceux qui ont dit procès, il n'y a pas Sifamania pour aucune prison pour l'autre trahison. Il a trahi la patrie à cause ça. Pays Nabiso pour ça Congo qui a Zama Maya Joseph. Il va faire la prison. Donc les lois ça qu'on confirmé Biso et quoi affirmé qu'on confirmé Biso était Kabila Mouzé n'a jamais été papa ma passe. Je vous dis que Joseph n'a aucune goutte de sang congolais dans ses veines. Vous en comprenez? Jenny ou Anabalbi Janet, il semble. Non, Joseph a botamasu na yo abora, mais ils sont jumeaux, je ne sais pas par quelle magie. Et puis, quand il dit que je suis né à yo abora c'est où? Ça ne figure pas sur la carte géographique du Congo. Vous comprenez? N'était pas sur place, moi, comme yo abora, ils allaient en Angoté. Yo abora c'est là où Laurent Kabila faisait son maquis. Alors, il dit que voilà, yo abora ça veut dire le bel air. Nazamba, donc, c'est le bel air. Après, ça s'obriquait. La place va nous vendre. Merci. Voilà tout. Alors, tout le monde, moi, côté Oana, je rappelle que vous avez travaillé avec Kabila Mouzé, dans le pouvoir et à Mouzé. Rappelez-vous son fonction aux amis qu'on jouait, ou encore rôle aux amis joué à côté de Mouzé. Parce que vous avez bien été moi, dans Mouzé, ou accompagné qui Mouzé dans la lutte, dans les Kabila, Joseph. Alors, vous avez joué qui rôle Nini à côté de Mouzé. Non, Joseph a accompagné qui Afdel. Ils ont guerre Afdel. C'était une guerre qui était préparée. La guerre n'était pas préparée par Laurent Nzere Kabila. Okay. La guerre était préparée par le Rwanda. Baninga va dominer Grand Lac. Vous comprenez? Babanda guerre à Liboso contre le président Juvenal Habyarimana. Habyarimana. En 90, en 90, Baishua. Bazonga sur Uganda. Ba recruter sur les jeunes tous partout du Congo, Burundi, partout. Bazonga na sa formation militaire en Uganda. Baya na guerre ya 94. Ils ont renversé le pouvoir d'Habyarimana. Ils ont conquérir conquérir sous le Congo. Maintenant, il fallait chercher Batou Bassan à Mobututé. Batou Bassan a caché à bien. C'est alors que Kagame dira à Mousseveni, je connais quelqu'un. Laurent Nzere Kabila. Il a dit que Laurent Nzere Kabila en Tanzanie, il a continué la coopération. Il a dit qu'il a été. Vous comprenez? Avant, il y a eu un peu de temps pour la guerre pété. Ok. Vous comprenez? L'air a commis, il a dit que la guerre contre Mobutu, il a dit que le pouvoir, ça va. Tout le temps, la guerre. Les Rwandais tuaient beaucoup. Par exemple, Ngandu Kisasa disait à Laurent Nzere Kabila, non, tout le monde est là. Laurent Nzere Kabila a dit, tout le monde est là, on n'a pas de militaires, on n'a pas de sport. Comment est-ce qu'on va avancer? On va avancer dans les lignes. Vous comprenez? Alors, Ngandu Kisasa, pour eux, c'était un danger. Quand on a dit que Laurent Nzere Kabila, renverser facilement. Ils ont tué Ngandu Kisasa. Vous comprenez? C'est comme ça que Laurent Kabila m'a dit que c'est une guerre qui était préparée par le Rwanda. Joseph Kabila, Joseph Hippolyte Kanabe, pardon. Joseph, moi, je ne l'appelais pas son nom. Lui était militaire depuis l'Ouganda. Il était militaire avant l'AFDL. Avant l'AFDL. Azaku Sala na Rwanda. C'est comme ça que l'air aïe AFDL aïe. Aïe. Alors, comme les parrains de Laurent étaient, qui c'était le Rwanda, quand Joseph arrive à ses côtés, il ne pouvait pas dire que Naïbi était à Kenekuna, il a vécu dans sa maison. Il a accepté facilement, oui, Joseph vient. C'est comme ça que Joseph a porté le nom de Kabila. Mais son frère aîné, qui était général de brigade ici, hein? Et Kanapé, Kondé, il a refusé de porter le nom de Kabila. Il était général de brigade en Afdel.
Ayaka kapafa bundi titi les guerres et si Joseph n'a pas vu il a souffert, il a failli mourir, Joseph l'a torturé. Voilà, hein? Parlons de votre rôle. Vous parlez maintenant avec fonction d'Anna. Moi j'étais coordonnateur chargé de renseignement à la présidente de la République. Nasala na cabinet ambassadeur itinérant. Pendant que nous avons la place, l'ambassadeur était là pour qu'il parle de l'ensemble de l'office qu'on a dit facilement, difficilement. Parce que le renseignement demande beaucoup d'informations. Il faut que l'antenne soit là. C'est comme ça que l'office de l'ambassadeur est venu ici à la Gombe, avenue de l'Équateur. Ceux qui sont venus de l'Équateur, ils ont même beaucoup de gens qui ont été habités, ceux qui ont été habités. On appelle ça l'immeuble d'Ayou. L'immeuble d'Ayou. Ils sont venus de l'Équateur. C'est là l'office de l'ambassadeur. Nous sommes venus de Office Nabiso, Isaki na branche. C'était le service intelligent. Wana d'abord, il y avait branche ambassadeur itinérant, puisque c'était un ambassadeur itinérant et plénipotentiaire de la République. Azaï na, à quoi ça me sert la nyoso? Branche moi, Isaki qui est ambassadeur naïe. Côté monsieur Isaki, il y a renseignement. Et moi, j'étais chargé, coordonnateur, chargé de renseignement. On dépendait directement du chef de l'État. Ok. Voilà, c'était ce que moi j'ai fait. Étant celui qui gérait le renseignement du président de la République, parce que vous dépendiez directement de la présidence. Un incident arrive, Mouzé Laurent Désiré Kabila meurt. Vous étiez informé ou pas de l'événement et comment est-ce que cette information vous est parvenue? Bon, on a une tentative d'assassiner Zaka na Webele. OK. Ezaki wana te. Na ko pengé mi balobe mi sato. OK. Webi masasu akufana nini? D'abord to banana oya ba o bakanga ba Zaid Ngoma, masasu plus ce qui encore masasu Zaid Ngoma et Olenga Nkoy. OK. Ils ont tentative à coup d'état. Bakanga bango même on a katanga na bulu okuna. Après ba français ba tiama kelele, ba kimana bazamba. Les vieux les avaient libérés. Ayi sa masasa souvanda wana akopeso musala. Avana na avisa na imel na nani na appartement mon na Gombe kuna. Après ça na basola zo garder. Tentative à coup d'état. Zai na ngwebele. Wana mususu wabana o préparer ngo Joseph na masasa. Bazo préparer coup d'état contre le Désiré Kabila. Mais Joseph passe à ruse. Il avait compris que les Bazouan Afdel, hein, Massasso était son chef. Les Bakomi, ah, Massasso Azagina, chef d'état-major général. Alors, si on continue à coup d'état, oh, Massasso est la chef. Joseph Azouba d'état, nous a quitté sa mort. Laurent Désiré Kabila, son père. A dévoilé. A dévoilé, Massasso, maintenant, ça coûte. Et on prend coup d'état, boué, 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 contre eux. Et là, on s'est mis à balé. On s'est mis à détail, nous sommes. Alors, mon père a pris ses détails, après, il s'est servi à ses. Pour ça, dans ses maisons, on a le service de renseignement à la sécurité dans le pays. Après ça, le service de la sécurité, le service de l'enquête, tout s'avérait vrai. Dès au moment où Joseph a appelé son homme de main, qui c'est l'homme de l'électorat militaire, c'est qui c'est Alamba. Général Alamba. Alamba. A ça, le procès, il y a un peu de temps. Vous comprenez? Alors, comme l'Occident préparait changer à tout prix, chercher la tête de Laurent Désiré Kabila, Batal va lui dire non, 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 tout échouant plusieurs fois. Souvenez-vous que Clinton avait dit que avant Mandana ici, il faut trouver solution pour la Congo. Donc Kabila devait mourir avant cette date-là. Vous comprenez? Il n'est pas comme presque Joseph. Vous comprenez? Quelque part, il a Edi Kapende. Mais Edi Kapende aussi à l'intérieur. Edi Kapende lui, on l'a miroité le pouvoir. Il y a maintenant quand il s'est sauvé le coup d'État, il y a une à la présidence. C'est pourquoi on a qui les gens qui avaient la coupe, il y a Kangi frontière, il y a Kangi beach, il y a Kangi aéroport. Joseph Abimaki, le 15, a désarmé la force militaire de la garde de Kinshasa, disant que voilà, les militaires vont faire le soulèvement. A désarmé Bango. Alors il cherche un alibi pour s'innocenter. Azu a vu à quel Lubumbashi. C'est Kabila qui voyage. Joseph qui voyage. Voyage à Lubumbashi. Après la mort de Désiré Kabila, Babengi et pas général Chirunze, un Zimbabwéen qui était le chef d'état-major interarmé. Pour les armées, maintenant qu'on est débuté sur Zimbabwe, Namibie, et maintenant qu'on est débuté sur na Angola. Le chef, Azaki général Chirunze. Mais Benga Joseph Alobi, tu peux maintenant rentrer. Le baobab est tombé. Comprenez ce que c'est. Joseph Fayeko Zonga, comme on a pouvoir dans Edi Kapende. Vous comprenez? Donc, je suis en de faire un coup d'état. Mais l'air n'a eu que l'air d'assassinat qui est le 16, on m'a appelé par l'Interpol. Qui vous a appelé? L'Interpol vous appelle pour l'Interpol vous dire quoi? L'Interpol me dire qu'il m'appelle. Il y a un intercontinental ce jour-là. Il me dit que non, viens vite, viens. Ben, insister, tout le monde, nous allons tout le monde qu'on habite. J'arrive dans le bureau Interpol, dans le boulevard Rwanda. Il m'a informé, en tout cas, selon l'Interpol Belgique, votre père est assassiné. Il est mort. Tout ça entre 13h et 14h.
C'est vrai, tout bien anan, tout bien sous Interpol. Parce que ça, un service à renseignement, il faut savoir Interpol, il faut savoir service à il y a sécurité, service, bah, service secret, bah, monde, service, oui. Service chinois, bah, Mossad. Bilok, il faut savoir poser des informations. Parce que Nzamba a raté, il faut te renseigner, poser des informations. Il faut savoir maintenir bien. Tout bien Interpol Belgique, bah, confirme que l'on a vraiment. Dans un chauffeur, mon garde du corps, tout qu'on appelait des marques, n'a coûté un avion le tchat. Qui était le chef d'état-major général. Et dit à eux expliquer que ton ami a été touché par balle à se reposer. Alors moi, j'ai dit à Véloïcha, non, ton ami, il se repose. Il faut mon aïe, parce que lui n'avait pas d'audience là-bas. Mm-hmm. Alors, après échange de paroles entre Ngara et Edi, le Véloïcha a compris, il m'a poussé. Je ne pouvais pas donner les doigts à Edi. Mais mm-hmm. J'ai rentré comme ça en reculant, tout le monde banda. Okay. Ce jour-là, bisous de Mano Kansaka, a monté ça, les coups de temps, les a Edi. De Mano Kansaka, Joseph T. C'est après le renseignement que Bélé a comprendre que Joseph Piazak n'a qu'à Kambouana. Il y a encore un pouvoir dans Edi. Mais Edi ne veut plus prendre le pouvoir parce que Moutazaï n'a appuyé à Angola, Joseph. Appuyé à Zimbabwe, Joseph. Occident, Joseph. Edi Kapen devait combattre quoi? Appuyé à Nazaki Wapi. Et pas à FARDC, les militaires de la garde républicaine. Mm-hmm. Alors que les militaires de la garde républicaine, ils ont appuyé à GSSP. Ils ont tout à Zaki Wapi. Ils ont appuyé à Zaki. Donc Edi s'est senti que. Azaïsuna poité. C'est pour moi quand il passait devant la caméra, voyez, il avait les yeux rouges, c'est Amélie Bangui, Amélie Whisky. Il ne savait plus quoi faire. Hein? C'est comme ça que Joseph a besoin de pouvoir Rwanda. Vous comprenez? Et Lelo Oyo Zungi Namboka, vous avez confiance, disant que Félix Tshisekedi c'est un Congolais, vous lui accordez chance et à réussite. Mais Joseph, Félix Tshisekedi vient de libérer Edi Kapend aux accusités. Na kati ya mort ya Kabila le père. Comment est-ce que ça vous fait? C'est tout à fait normal. Joseph n'a pas dit qu'Edi Kapend était innocent. Hein? Sotali, otali mesure de grâce. Alors, est-ce à l'obi qui Edi Kapend est innocent? Une mesure de grâce. Bah, okay, mawati. Il n'a pas dit qu'Edi Kapend est innocent. Le président a commis cette peine qui était une peine capitale, a commis un angon à prison à vie, après a commis un angon sur la prison, 20 ans de prison pour pas bénéficier de la mesure de grâce. Et ça, ce sont les prérogatives du chef de l'État. Personne ne peut maintenir rigueur. Nazolo va tous les jours, va organiser la défense des droits de l'homme. Bango tout n'a moko. Toujours souhaiter que reprise, il y a procès Salema. Le peuple congolais a le droit de savoir qui a tué Laurent Désiré Kabila. Hein? Ce n'est pas vous et moi qui lui comme on a moqué à côté d'une arme avec Laurent Kabila Boyé après à Koufi. Un homme de la rue peut accepter ça facilement. Parce qu'on nous retrace la scène avec Rachidi qui a tiré sur voilà. Les chefs. Et lorsqu'il sortait, Edi Kapend est venu. Voilà. Comment est-ce que vous trouvez comment ça? Comment Edi Kapend peut tuer sur Rachidi alors que Boris Rachidi a voulu Laurent Kabila? La première geste ce serait quoi? Il fallait pas qu'Anga Rachidi, bah, motivation est que Rachidi a tiré sur le président, n'est-ce pas vrai? Sauf qu'on a procès à Laurent Désiré Kabila. Au niveau de l'instruction juridictionnelle, okay. Tout était faux. Parce que l'aiguille que Mota a présenté dans le procès, c'était d'une arme automatique de fabrication belge. Tandis que les militaires de Laurent Désiré Kabila avaient les revolvers 8 mm de fabrication nord-coréenne. La couloir du fauteuil à Laurent Désiré Kabila a deux impacts, un tir croisé. Des tirs croisés. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il y avait plus d'une personne qui ont tiré sur Laurent Désiré Kabila. La balle qui est restée logée dans le cou de Laurent Désiré Kabila prouve que les tireurs étaient à une distance de plus ou moins 2 mètres, même si on n'est pas expert en balistique. Sauf aux 8 armes, aux tirs à bout portant, balle de côté au Moussous. Et pourquoi Batia qui linge face à Laurent Désiré Kabila? Sa tête serait même démolie. Donc, Rachidi, ce n'est pas l'assassin de Laurent Désiré Kabila, mon frère. Attends, l'homme de la rue ne peut pas croire à ça au côté de la président. Tata, Rachidi, pour quelle motivation? Et qu'est-ce qui cache le mouvement du corps de Kabila de Kinshasa vers Zimbabwe et qui n'a pas la Nile? Nasina lobeli yango lisusu na kutika pe kolobango te moni leto zaki na embargo ya baana et pe bano ko depto suma baana c'était les Zimbabwe. C'est comme ça que Lorenzo Kabila avait déplacé ba diamant na ba mbonga zaki nango ndo mangona coffre fort na Zimbabwe. Baba na fungola ngote, il fallait sa présence. Yemo kake kuna tie coffre fort atie la primeur de l'œil. Pour fongola coffre fort wana. Après sa mort, on devait amener son corps là-bas pour fongola coffre fort wana. Ils se sont partagés les butins. Ba Joseph na ba Mugabe, ils se sont partagés les butins. Bon wana soyez kuna ba se partager wana. C'est pourquoi ils ont déplacé le corps de Laurent Désiré Kabila. Il était mort le 16 dans son bureau. Mais pourquoi on met ma corps? Après Balobi, il est parti pour des soins appropriés. Quels soins appropriés? Ils voulaient ressusciter Laurent Désiré Kabila là-bas? Non. Cela veut dire que
il y avait un complot. Pourquoi? Parce que Laurence Kabila disait Namindele nako changer te au monde or na diamana kolta ezaya Congo nako changer en goûte. Mais là il fallait à tout prix chercher sa tête et ils ont réussi parce que les Congolais pas ça qui fait qu'il y a. Il y a une il y a des voix qui disent que Kabila a été donné en échange avec le rebelle angolais. Voilà, c'est ça. Est-ce que c'était cette histoire là est vraie? Donc Bopé Sabiso Savimbi, Biso Topé Sabino Kabila. C'est ça la politique. C'est ça la politique. Cela veut dire que l'herbe ba lobby photo Morozé Kabila. Angola a gagné nini. Zimbabwe a gagné nini na Morozé Kabila. Il fallait basale le coin en échange. Sauf so, bien après la mort de Laurent Désiré Kabila, ça veut dire à Koufi. Et après là, Mugabe était en paix. Il n'y avait plus de pression contre Mugabe. D'abord, Laurent Désiré Kabila préparait son voyage pour aller au sommet de la francophonie qui était prévu au Cameroun. Et Zaki préparait que si on a un avion en Angola, paf, il va battre l'avion, il y a eu crash dans l'aéroport. C'était ce qui était prévu. C'est pourquoi Laurent Kabila a compris. Laurent Kabila a dit que coquin d'été, va dans la palais des marbres, nous allons te sécuriser là-bas. Aboué coquin sur la sommet à francophonie, avant la palais des marbres. Les lieux supposés les mieux sécurisés. Mais Baboumi est dans son bureau. Balobi a dit qu'il est innocent. Aide du camp du chef de l'État. Aza est une enceinte à palais des marbres. Innocent, ce n'est pas autant. Voilà, nous courons déjà vers la fin. Je vois beaucoup de réactions à Internet. Binot, beaucoup d'amis sont en ligne. Kasi motuna na ngai ezali pe ya koyeba lelo oyo vous les fils de Kabila Mouzé Laurent Désiré bozali wana qu'est-ce que vous attendez pour na ko amorcer procédure judiciaire? Oui, c'est ça. Cela veut dire procédure, il y a des procédures. Il faut d'abord il faut commencer par comprendre que Laurent Désiré Kabila était à la tête de notre pays. Ce n'est même pas une affaire seulement de la famille Kabila. OK. Vous comprenez? Les basses de pétition, par exemple, Makamboyanani à Minembwe. Mais les députés peuvent faire une pétition. Que nous avons besoin de connaître la vérité sur l'assassinat de notre président. Qui a été assassiné le 16 janvier 2001. Mm-hmm. Donc, ça, la pétition peut procéder pour quelqu'un. Vous comprenez? Mais personnellement, je suis en train de constituer un collectif d'avocats pour te porter plainte sur l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Et ça viendra. Voilà, nous allons terminer par ces petits points. Je crois, Simon, présentez-moi les images d'Andeko Etienne en Afrique du Sud, en prison. Andeko Etienne, au total, là-bas, image Oyo. Simon, image, s'il vous plaît, parce que nous courons déjà vers la fin de l'émission. C'est un peu en retard, là. Andeko Etienne, qu'est-ce que voilà? Non, ça, c'est la prison. Ça, c'est Ibrahim. Vous le connaissez aussi, Ibrahim Kabila. Oui. C'est votre frère. Là, j'ai tenu une interview avec une dame journaliste. Là, je suis okay. En prison de Pretoria. Bakangaki oponani. Les Bakangi, Bakosi Balobi, nous avons préparé un coup d'État contre le pouvoir de Kinshasa. Voilà. Vous comprenez. Après, Basenginga, Badeportenga, na Congo. Mais la loi sud-africaine n'autorise pas que Mutsovi n'ait en danger la peine à Bango Bakosom qui a été. Balobi, Akosamba Awa. Procès n'est pas prévu. Le problème c'était que quand c'est le bateau moi ben moi la Zamba après bâtir comme on a gagné la carte ben maintenant quand ils sont appelés à aucun des coups vous n'étiez pas dans les groupes il y a James Kazungu le Congolais il y a nationalité américaine Nazala qui kunate moi j'étais à Cape Town. Ok n'ga ne le bakangi ba Congolais moko boye ba ringe ba sala coup d'État n'ga moko bâtir comme on a gagné Nazaire je sais pas l'Interpol n'a qu'émis t'as gagné moko la police n'ga moko un certain vendredi ba retenir nga kuna ndeba minga na prison na ke utana ba kongole wana na tuli bango qu'est-ce qui ne va pas? Oh non ba ipsa biso toujours ça la formation je ne sais pas ceux qui ya garde ya parc ba komi kula pese so minduki ba kangi ba photo une histoire qui ne tient pas debout hein. Donc j'ai compris que basa ba bouc émissaire mais la cible c'était moi, c'est ma tête que Joseph voulait chercher. Donc il y avait une coopération entre Batouanana, le pouvoir de Kinshasa. Non, il y avait un complot entre le pouvoir de Kinshasa et les Hawks sud-africains. Les Hawks sud-africains, ils ont le FBI aux yeux et ça. Okay. Ils ont miné les gens pour préparer les Lokwana. Mais comme moi, je n'étais pas dans le groupe, je me suis dit que Batouanana Zamba, il y aura fait d'informations. Qu'est-ce que tout le monde a procès? C'est comme ça qu'ils ont perdu les procès. Batouanana, il y a un bouc émissaire, la tête, ce qu'on cherchait, c'est moi. C'est ma tête qu'on voulait. Hein? C'est ma tête qu'on voulait. Et puis, l'herbe est au Kanganga. Dans quelle prison? Joseph
il n'a pas cessé. Atindao, ce type ici, les Rwandais ici, qui étaient ici, les chefs de l'enseignement militaire, c'était qui encore? Celui qui est mort, Defen Kayimbi. Atindae, en Afrique du Sud, pour chercher à m'empoisonner en prison. Il y a un homme qui est un trop pour Mboko. Ce pays-ci me doit beaucoup. Aïe, 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 aïe. Je crois, Ebele à Koloba Ezali, si le temps nous fait déjà défaut, bande Kolangaï, je crois que tout ça, que chité, penza, que soukisana, émission, abisso. Aujourd'hui, le pouvoir vient de changer. Qu'est-ce que ça vous inspire comme est-ce qu'il y a une lueur d'espoir et qu'est-ce que vous pouvez apporter? Ça sera votre dernier message pour notre émission. Non, l'espoir est là. Les Congolais doivent prendre conscience que tout ça en état de siège. Ça ne va pas. Les Congolais, nous devons tous regarder dans la même direction pour sauver le Congo. Quel avenir pour notre progéniture? Bisso doit toujours une génération sacrifiée. Même nos enfants, tous sacrifiés bango. Voyez un peu ma politicienne de Bazali. Hein? Les gens doivent se fier trop na ba politicien. Les politiciens, Bazali ba langage bango politique, batala ba intérêt na bango. Ils sont rares. Batu oyo ba kota na politique pour sauver leur pays. C'est pourquoi moi on a expliqué batu tous les jours. Si moi j'ai un franc parler, c'est parce que je ne suis pas politicien. La politique, les uns te diront c'est les mensonges, les autres diront c'est la démagogie, c'est aussi. C'est comme ça. Vous comprenez? La politique, c'est bien la carte pour remplir leur poche. Mais j'ai foi qu'avec cet avènement de Félix, avec l'idée qu'il a amenée de l'Union sacrée, et surtout par sa vision, le peuple d'abord, le peuple d'abord. Le peuple d'abord, c'est quoi? Le peuple d'abord, c'est tout pour le peuple. La gratitude de l'enseignement. Est-ce que ça marche avec la vision de votre père? C'est ça qu'il disait. Le peuple doit se prendre en charge. Hein? Il disait, vous devez être maître sur le terrain. Tu vois qu'il y a quand même un mariage. Okay. Un peu. Le peuple d'abord, c'est quoi? C'est la gratitude de l'enseignement. C'est tout pour le peuple. Tout pour le peuple. La paix, il faut tout faire pour la paix. Il faut soigner, nourrir le peuple. C'est un peu ça. C'est pourquoi je suis rentré, je me dis, seul Félix ne peut rien. Mais si nous lui apportons support, on arrivera. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation, bien que les Congolais attendent aussi que vous puissiez écrire, parce que vous avez une autre version de l'histoire, monsieur Étienne. Oui, ça viendra. Je prépare un livre. C'est un livre, c'est une longue histoire. C'est un livre, vous savez, l'homme qui gagne la guerre, c'est celui qui écrit l'histoire. Comme ils avaient gagné la guerre entre Lorenzo Kabila, ils ont pensé gagner la guerre entre Lorenzo Kabila, ils ont falsifié l'histoire. Maintenant, nous devons donner une vraie histoire. Les Rwandais, les Tutsis ont gagné la guerre contre les Hutus au Rwanda. Ils ont écrit les génocides, que les Hutus sont des génocidaires. Mais c'est prouvé aux ordinateurs sur blanc que c'est vrai, les Hutus ont commis des génocides contre les Tutsis. Les Tutsis aussi ont fait des génocides contre les Hutus. Voyez, celui qui gagne la guerre, c'est celui qui écrit l'histoire. Aujourd'hui, c'est passé, nous devons aussi écrire l'histoire du Congo. Merci, monsieur Étienne, pour votre présence sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, Nabino Nyon Sobalandi, à l'émission Devant les Congolais, que ce soit sur Internet, en ligne, en clair. Toba et Nyon Sobalandi, Bisso, na TNT. Merci, Nabino Nyon Sotokoutaï, Namiko Lesali Koya, pour une émission Yassika Devant les Congolais. Merci, Nabino Nyon Sobalandi, si ma caméra. Bazaraki na côté à régie, Bakonzi à chaîne na biso tango ezali penda ya kosite bino nyonso te. Merci et bye. Lisolo na kati ya mboka ebeta ma toujours na bakongole. Isaac Mutombo, j'aime bien t'appeler journaliste intelligent. Tina Beni, Tina Kolwezi. L'émission est suivie, en tout cas, félicitations. La canicie était, yo zali l'issue à peuple. Au ministre armé, au ministre par l'institution et à pays. Je vous dis la vérité. Même les lobes à cause de ma famille, à tomber le café, qu'il sache bien qu'à comer le café, on était après demain. Na outi ko sambe la nzambe, na outi église, na ko ko se la moutou makambote. La guerre a valé le sang des innocents dans ce pays. Innocents dans ce pays. Vous avez dilapidé le compte du trésor pour venir Simbo à l'État avec autant de légèreté. Mais pas interpellé au pays. Il y a qu'à la preuve. Le gonango go lapa. Alors ça ne valait à rien de remplacer Joseph Kabila. Attends, Batou, on va comprendre que Kabila est Batounais. C'est Batika Ekimia. Comme il y a 200 000, après moi j'acclame.
Non. Tozo yoka makambo wana ya kebango bazo somba kaka mapango ba oya sombi mapango na oya sombi ya minel. Mikolonios bazo boma batu. Mikodongo neti tozo na mboka na biso te papa 60 ya pasi ya mawa. Égoïsme. Ils ont travaillé pour eux-mêmes, pour leur famille, mais ils n'ont pas travaillé pour le pays. Je suis Alexis.